Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel hôpital. Donc aujourd'hui on se retrouve sur l'hôpital après celui où j'ai fait un maximum d'argent et j'ai offert une limousine au ministre lui-même. Maintenant il faut que je fasse un hôpital qui soit l'absolu contraire. Que je fasse un hôpital pour les plus démunis. Donc il va falloir que je trouve le personnel, les salles et tout ça et tout ça et tout ça et que je gagne un max de fric. Ça va pas être facile, mais on va y arriver quand même, parce qu'on est quand même des professionnels de l'hôpital. Alors là, je vois qu'on arrive juste ici et qu'il y a une, deux, trois cases. Donc on va devoir faire... Non, en fait, on va laisser une case de retrait. Ça va être plus joli. Voilà, et on va faire exactement la même médecine générale de l'autre côté. Attendez... 1, 2, 3, ouais, c'est ça, on va faire la même médecine générale ici. Et donc comme ça, on va avoir les deux médecines générales de mon hôpital, à peu près ici. Donc on va chercher, est-ce qu'on peut trouver... D'accord, j'ai quitté. Alors ça c'est un médecin pourri, ça c'est un médecin semi-pourri, ça c'est un médecin semi-pourri, ça c'est un médecin pourri, ça c'est un chercheur. Donc un chercheur, on va en avoir... fatalement beaucoup besoin, donc on va prendre lui qui est semi-pourri et on va attendre pour la suite. Donc une infirmière, celle-ci est très compétente et sa copine ici est très compétente aussi. Un agent d'entretien compétent, c'est pas disponible. Bon, on va prendre déjà une réceptionniste compétente, celle-ci va faire l'affaire. Et un agent d'entretien, celui-ci va faire l'affaire. Donc on va mettre un petit bureau à la réceptionniste. Bon, un bureau à la réceptionniste. Bureau de réception. Voilà. La réceptionniste est logée. Donc ensuite, diagnostic. On va faire une salle de diagnostic ici. Voilà. Avec un petit paravent et une petite machine à diagnostic. Ensuite, on va avoir besoin sûrement d'une salle de cardiomachine. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, une salle de cardiomachine. On va attendre que cette infirmière vire. Au revoir. Et une machine de cardiomachine et un petit paravent. Donc ensuite, on va avoir besoin d'un cabinet psychiatrique, mais on va d'abord faire une salle des malades ici. Donc non, en fait, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire un bloc opératoire. Dans le petit coin là. Voilà, est-ce que là je suis bien aligné? Oui. Parfait, donc avec une table d'opération ici, un petit paravent là, un petit évier ici, et un petit truc à regarder la radio là. Parfait. Et donc une salle des malades pour remplir l'espace qu'il reste ici. Voilà. Donc, on va rajouter quelques lits. On va en mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le bureau de l'infirmière, ici. C'est parfait, ça rentre. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ouvrir tout de suite l'hôpital et rester en vitesse pas très rapide. Le temps... de fabriquer les trucs suivants. Il va me falloir un département de recherche assez rapidement, c'est-à-dire genre maintenant. Je le mets bien flush comme il faut, avec une auto-autopsie ici, un bureau et un classeur. Pour le moment, il ne va y avoir que un... Comment ? Que un bureau pour faire les recherches, donc tout de suite, on va... La recherche de médicaments, c'est bien, il n'y en a pas. Donc amélioration, par contre, on va diminuer un petit peu. De l'amélioration, il va faire l'amélioration à 10%. Il va chercher du matériel de diagnostic à 30%, du matériel de soins à 30%, et donc du matériel de diagnostic à 40%. Normalement, je vous ai complètement perdu en disant ça, mais ça n'avait aucun sens. Spécialisation, ça n'a aucun intérêt. Donc, voici, ça, c'est très bien. Donc des cliniques, on va pouvoir en faire quelques-unes. Hop, voici. Une salle de repos, ça va être utile. Donc on va mettre
Quelques sofas de plus dedans. 4 sofas, ça devrait suffire. 2, 3 et 4. Donc il va nous falloir des toilettes. Donc on va poser ça. Est-ce que je... Oh non, parce que j'arriverai jamais à faire de... Je suis en train de me dire aussi qu'il va falloir que je pense à faire une pharmacie. Parce que ça va être très utile très rapidement. Donc, lavabo, toilette. Lavabo, lavabo, toilette, toilette. Ça, c'est réglé. Et maintenant, on va construire tout de suite une pharmacie. Ah là 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 là. C'est pas beau. Ouais, mais là, ça va... Ouais, bamba. On va faire ça comme ça, ça va un peu dépasser. Moi qui voulais quelque chose de joli, c'est un peu râpé pour le moment. On va mettre quelques radiateurs. 10 radiateurs devraient suffire. Pas d'extincteur. 4 distributeurs devraient suffire. Et une vingtaine de bancs devraient suffire. Donc on va mettre un distributeur ici, donc des bancs ici. Il y a un distributeur là. Voici. Hop, 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 hop. On va lui mettre des petits bancs ici, lui. Donc un distributeur, par exemple, ici, par là, par là. Ici, je dois bien avoir laissé un espace pour en mettre un. Et un par ici. Voici donc un radiateur. Forcément, ils vont avoir froid, hein. Ça, je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Les gens vont pas être contents parce qu'il va faire froid dans cet hôpital. Ça... Alors là, je me tais un petit peu parce que j'essaie de mettre un radiateur de plus ici. Mais je ne l'entends pas se placer. Ah. D'accord, donc j'ai mis 10 radiateurs d'un côté. Finalement, ils vont peut-être pas avoir si froid que ça. Ah non, j'en avais mis ici aussi, tiens. Bien, on va chauffer un petit peu les couloirs. Voilà. Alors, ça ressemble à quoi la chaleur là-dedans? Ouais, bah il va faire un froid de mort dans cette salle-ci. Mais c'est pas grave. Donc passons à une vitesse plus cohérente pour voir nos premiers... Eh bien, lui, je ne peux rien faire pour lui, malheureusement. On va acheter ça. J'aurais dû regarder le tarif avant de l'acheter, parce que, vu la taille, ça m'a l'air obscènement cher. Est-ce que j'ai construit... Je n'ai pas construit de psychiatre, non. Alors, faire attendre. On va construire un psychiatre ici. Hop. Avec son sofa... son paravent et son fauteuil. Et aussi, il faut que je regarde. Alors lui, il va m'être très utile pour les former. Lui, il est psychiatre. Et lui, il est utile. Voilà, ça. Sur les médecins, pour le moment, on va garder ça comme ceci. Une petite salle de gonflage ici. Ah, ça me gêne, ça. Bon, on mettra une grande salle ici. Une petite salle de gonflage ici, avec un gonfleur là. Une salle des fractures ici. Nous allons faire un petit emprunt. Et nous allons construire une salle des fractures ici. En espérant que je tombe sur des malades que je puisse traiter. Nous allons mettre 4 radiateurs... 2 distributeurs et 9 bancs. En même temps, j'aurais dû regarder combien de bancs je pouvais fitter. Hop, presque. Alors, un radiateur, un radiateur, un radiateur, un radiateur. Alors maintenant, on n'a pas de patient par contre. Ça, c'est pas très pratique. C'est de ne pas avoir de patient et c'est pas pratique. Toi, tu vas aller te rendre utile ici. Une nouvelle maladie, l'éjection gastrique. Avoir mangé mexicain ou indien très épicé.
rejette par excès des bribes de nourriture. Mince, c'est très sympathique. Très 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 sympathique. Fais attendre un petit peu. Nous n'avons plus d'argent. Oui, je sais que nous n'avons plus d'argent du tout. Alors, est-ce que je peux faire des nouveaux trucs de traitement? Non. Des nouveaux machins de diagnostic? Non. Des nouveaux trucs? Non. Et non, non, non. C'est pas très pratique. On part assez mal pour cette fois-ci, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Il faut juste qu'on ait des patients. Non, bah pas des patients comme ça, parce que lui, il a la calvitie, donc lui, il est pas bien. Et si j'y arrive que par coup de 100 dollars, ça va pas être très bien. Les cristaux rénaux. Et je crains qu'on n'ait pas de chirurgien pour les cristaux rénaux. Nous avons un chirurgien ici. Est-ce qu'on peut réussir à en trouver un autre? Oui! Bon. C'est bien, on a un chirurgien pourri et un chirurgien à peu près potable. C'est pas très pratique. On va construire une salle de formation. Et on va mettre un consultant à demeure dans cette salle de formation. Alors, on va rajouter deux chaises d'études, un casier à livre et un squelette. Oui, à chaque fois, je rajoute un casier à livre et un squelette parce que ça permet aux consultants d'enseigner légèrement plus vite. Ah, ça y est, j'ai le Thaïlang. Malheureusement, il va falloir le fourrir. Il faut un psychiatre. Ça, j'ai un psychiatre. Il faut que j'augmente mon emprunt pour pouvoir m'acheter un Thaïlang. L'hyperlang, ça, on connaît très bien. Faire attendre le patient un moment. La pétomanie, ça, on connaît bien. Donc la clinique de Thaïlang que l'on va construire ici. Alors, on va mettre un petit peu plus lentement qu'on ait le temps d'aller lire cette nouvelle maladie. On va poser le Thaïlang. Alors, la catarume, ça on connaît extrêmement bien. Donc, moi je voulais voir, est-ce que lui serait par hasard un consultant? C'est très bien. Je viens de tuer mon premier patient, la pylose. On va le faire attendre un petit peu. Alors, toi, tu vas te former. Toi, tu vas te former. Et est-ce que j'ai un médecin semi-pourrave quelque part? J'hésite à aller former le chercheur. J'hésite vraiment à faire former mon chercheur, puisque c'est vrai qu'il va chercher plus vite. Mais pendant un moment, il ne va pas rechercher, il est quand même assez loin de tout ça. 5 personnes ont besoin de fractures, je peux le faire. Les chevilles ondulées, rouler trop vite sur les amortisseurs, effectivement. La morpionite, ça on connaît, c'est très bien parce que ça se soigne sans trop de problèmes. La radionite, malheureusement, ça va être très dur puisque je n'ai pas de douche à radiation qui est présentement recherchée. L'encéphale, machin truc, ça on connaît très bien. Et j'ai la machine pour ça, donc c'est très bien. La roupillante, c'est on connaît et c'est très bien parce que ça ne se traite très facilement. Les mains moites, ça c'est assez pratique et c'est très drôle. La terreur des entretiens d'embauche. Serrer la main du patient revient à presser une éponge détrempée. Et il faut détendre un patient avec un psychiatre. S'être assis sur le jet du jacuzzi, la rectoïde, on connaît très bien. Alors, la rétrostalgie, le regret pathologique des années 70. Il faut des pantalons à pattes d'eff. Et il faut un psychiatre, que c'est plus franchement l'époque, hein. Il me faudrait un nouveau psychiatre aussi d'ailleurs. Est-ce que je pourrais avoir à chercher un psychiatre? Mais il est pourri. Un psychiatre semi-pourri, donc ça va le faire. Les pierres de golf, ça il faut. Et je vais devoir sortir mes chirurgiens de formation pour ça, je pense. Lancer une invitation officielle. Donc qu'est-ce qu'on a comme nouvelle salle? Rien du tout. Bah ça y est, on a les rayons X. Donc toi, tu vas ici, et toi, tu es consultant, c'est ça. Toi, tu es consultant chirurgien, c'est génial. Il faudrait que j'arrive à faire, eh bien, comme je vous disais dans la dernière fois, en fait, avec celui-ci, je vais réussir à le faire. Est-ce que... Ah là là. Faire attendre un petit peu. Bon, on va ralentir un petit peu le temps que je vous raconte ce que je vous racontais. Alors là, on va attendre que celui-ci ait fini de traiter le patient. On va sortir celui-là, parce que là vous voyez celui-ci, bon il est nul c'est vrai, mais il a les deux compétences, c'est-à-dire que si lui enseigne la chirurgie,
celui-là sera tricompétence et je pourrais l'enseigner, l'utiliser pour enseigner aux autres médecins. Et ça va être extrêmement pratique si j'arrive à lui cliquer sur le coin de la tronche. Parce que lui est nul. Lui est consultant en chirurgie et il va ici. Et donc lui va se former là. Et donc voilà, ça va être beaucoup mieux. Faire attendre un petit peu. Donc je peux construire des rayons X. Je peux peut-être construire des rayons X. Lui, je vais l'augmenter un petit peu. Bien, quand on aura de l'argent, on pourra construire des rayons X, parce que pour le moment, on n'a pas un rond, donc on ne peut pas construire de rayons X. Alors lui a dû upgrader, lui est passé. Prendre une chance de guérison sur le patient, 5000, ça veut dire que je n'ai plus un rond du tout. Ça, c'est pas cool. 6500, dès qu'on arrive à 8000, on va pouvoir construire ici des rayons X. Faire attendre un petit peu. Il me faut un agent d'entretien en plus qui soit pas mauvais et qui ait prendre une chance de guérison. Si j'arrive à lui cliquer sur le coin de la tronche. En fait, c'est peut-être 1000 ans que je lui clique sur le coin de la tronche et que j'arrive juste pas. Et qui va me faire le nettoyage. Alors, en même temps, on va regarder est-ce que lui... lui va se... Je l'ai raté, je ne sais pas où je l'ai posé. Lui va se former. Lui va se faire augmenter. Lui va se former. Et lui va se faire augmenter. Et je me suis planté. C'est pas grave. On le formera plus tard. Alors, une nouvelle maladie a été découverte. La Thyrie purulente, ça on connaît. Alors, prendre une chance de guérison du patient, ralentir le temps, histoire qu'on voit tout ça, calvitie, faire attendre le patient un moment, calvitie, faire attendre le patient un moment, la calvitie, voilà, on connaît bien, le maire est content, il m'a filé de l'argent, l'excès costal, ça on connaît bien, la radionite, eh bien on va faire patienter un petit peu, hein. Qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai pas ce qu'il faut pour traiter la radionite présentement. Alors lui, je l'augmente. Alors, la téléincarnation, ça on connaît. La transparence, on connaît. Ça, c'est moche. Mais je ne peux pas faire autrement pour cette salle. Voilà, donc j'ai plein de petites salles qui ont des excroissances de salles. Alors là, il faut que j'y mette un chirurgien. Et malheureusement, mon autre chirurgien, c'est celui qui fait cours. C'est ça, c'est mon chirurgien et celui qui fait cours. J'hésite, est-ce que je le retire du cours ou pas? Alors là, c'est comme d'habitude, j'ai tout machin. Alors, faire attendre le patient un moment, une nouvelle maladie, la bouffissure s'en connaît. Bon, là, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Pour la chirurgie. C'est bien parce que je croyais en fait qu'il partait s'il n'avait pas de... la grossesse, on connaît. Oui, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de radiateurs dans mon hôpital et on va en profiter pour rembourser un petit peu. Alors là, est-ce qu'ils ont fini toutes les opérations? Non. Donc, taille de la file d'attente 3, c'est énormissime. Je suis très déçu de ne pas avoir un chirurgien de plus. Je sais que ma situation financière est catastrophique. Je suis au courant. Alors là, il reste... Oh là 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 là. Faire attendre un petit peu. Pourquoi cette file d'attente de salle d'opération ne désemplit pas? C'est terrible. Ah là 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 là. Je ne vais pas y arriver. S'il me faut mon chirurgien pour train les autres.
Et pour faire ça, il faut que ça, ça diminue. Lui, est-ce qu'il est consultant, lui? Non. Après, lui va être fatigué, il va partir. C'est pas pratique. Surtout que pendant ce temps-là, lui ne fait pas de recherche. Ils se plaignent de leur paye. Bon, il faut que je vois est-ce que je peux réussir à trouver un autre chirurgien. Oui. Parfait. Donc, oui, je peux m'occuper de cette urgence. Bon, par contre, il faut que je trouve où est mon autre chirurgien maintenant. Bon. Lui, il s'augmente. Est-ce que toi, tu es... Non, toi, tu es juste consultant. Toi, tu es juste consultant. Toi, tu es consultant chirurgien, donc tu vas enseigner ici. On va en profiter pour mettre quelques radiateurs, en disant d'attendre un petit peu. Radiateur, banc... Radiateur. Prendre une chance, je vais même pas regarder ce que c'était, lancer une invitation officielle. Donc hop, c'est en train d'avancer, ça avance. Une nouvelle maladie a été non, j'ai sauvé une personne sur une. Ça va, c'est très bien. L'un de mes internes est devenu consultant, ça... l'un de mes internes est devenu médecin, ça c'est très bien. Donc je pense que j'ai juste ce qu'il faut. Parce que normalement je dois avoir exactement juste ce qu'il faut. Et donc ah, ça c'est très bien, lui est tricompétence. Donc il est tricompétence, ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser pour enseigner ensuite aux autres dès qu'il va être consultant. Et ça va être très plaisant, surtout qu'il est consultant très prochainement. Une urgence. Encéphalitis, ça, j'ai, c'est pas un problème. Allez, hop, on se dépêche de faire mon professeur. Dès que je vais avoir mon professeur, tout va devenir plus facile. Là, nous allons avoir un mort ici très prochainement. Hop, il a découvert la courante. Et lui est devenu consultant. C'est superbe. Donc lui, il va devenir professeur ici. Et nous, on va trouver des médecins. Donc toi, tu vas te former. Et toi... Toi, tu vas te former ici. J'espère que je me suis pas trompé en le posant dans la salle de formation, celui-ci. Alors, on va voir quand il va avoir fini. Il m'a dit le syndrome du King, ça on connaît. En route vers salle de formation. C'est parfait. Donc on va finir de rembourser le prêt en attendant. Et donc lui va devenir bientôt un vrai chercheur consultant. Une fois qu'il va être vrai chercheur consultant, ça va être nickel. 8 000 $ de bonus, merci beaucoup, ça soulage. Et donc lui, on va attendre qu'il devienne consultant. On va augmenter celui-ci. Vas-y, deviens consultant, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. On n'a pas la semaine non plus. J'ai besoin de toi pour faire de la recherche. Merci. Voilà, toi, recherche tout de suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Lui est consultant. Lui n'est pas consultant, donc va devenir consultant. Et pour le moment, je n'ai pas plus de place. Donc ça va rester comme ça pour le moment. Alors, où en est la recherche du matériel de soins? Donc très bientôt, je vais enfin pouvoir soigner quelque chose que je ne peux pas soigner présentement. C'était ma chaise, je viens de descendre de quelques millimètres pour que je sois mieux. Hop, voilà, donc, allez. Et d'ailleurs, ma chaise, il va falloir que je change de chaise de bureau très prochainement, parce que là, celle-là me fait vraiment extrêmement mal au dos.
Et ce n'est pas franchement ce qu'on veut. Alors, il me semblait que j'avais qu'il venait de faire du matériel de soins. Ok. J'ai des... pas compris. C'est pas grave. Bon. Parce que là, ça j'ai tout ça. C'est pas grave. Les gens sont vraiment dégueulasses dans cet hôpital. Et donc, j'ai oublié de l'augmenter, lui. Je vous parlais de ma chaise de bureau qui me fait très mal au dos, mais c'est vrai que j'ai acheté le premier prix en promotion de bureau quelque chose qui a pas très loin de chez moi ici, donc du coup je dois bien vous dire que c'est pas fait pour rester assis très longtemps dessus, donc du coup je suis en train de voir pour eh bien pour changer sûrement assez prochainement de chaise de bureau, mais je n'ai pas encore enfin si je sais ce que j'aimerais avoir comme chaise de bureau, j'aimerais avoir une DX Racer, donc vous pouvez chercher ça, c'est un fabricant chinois ou coréen de chaises de bureau qui fait des chaises qui sont vraiment vraiment très 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 sympathiques mais qui sont très 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 chères, et donc du coup ah bah lui c'est très bien, il va devenir consultant. Et donc du coup là en ce moment, disons que vu que je viens de changer d'ordinateur dernièrement, j'ai pas franchement... Ah bah lui est consultant, donc lui va aller ici. Ah, je l'ai raté. Et disons que c'est pas franchement le plus facile. Faire attendre le patient un moment, augmenter lui. Lui, il va ici. Donc c'est pas très pratique de... d'essayer de s'acheter une chaise de bureau quand on vient juste de changer d'ordinateur. C'est pas du plus simple. Mais y'a rien. Mais est-ce qu'ils ont si froid que ça? Ils ont si froid que ça, donc où est-ce qu'ils ont froid? Juste cette salle-là où y a pas de chauffage. Enfin, franchement, ils abusent. En plus, c'est ma salle de formation. Oh, on va pousser le chauffage. Voilà. Je vais pousser le chauffage. Maintenant, ils vont avoir trop chaud, vous allez voir. Ça va être assez vite. Alors là, de toute manière, les statistiques ne fonctionnent pas. C'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai pas regardé s'il y avait une nouvelle version de Corsix TH qui était sortie. Ah bah lui, il est vraiment pour rien. Ah bah lui, il fait rien. Donc, ce que je voulais, c'est que je voulais regarder ici. Oui, c'est vrai. Lui est consultant, lui est consultant, consultant. Lui, il est pourri, mais en formation. Lui est consultant. Et lui est semi pour rien. Ouais, mais là je peux pas parce qu'il est en train de se faire former. Alors, de main moite. Allons-y. Lançons une invitation officielle. Je peux toujours rien. Ah, je peux construire un scanner. On va essayer de le construire ici. De voir si j'arrive à le rentrer. Ah oui, un paravent de plus, ça le paravent, ça va pas être facile. Alors, second essai, le scanner ici, la console ici. Ah, parfait. Augmentation, voilà. Ah là 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 là. Un nouveau truc. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Vous avez sauvé 5 personnes sur 5, merci. Ça, c'était facile. Toi, on t'augmente. Faire attendre le patient un moment. La papapam. Donc, eux, ils sont en train de se faire former. C'est très bien. Là, ça devient critique au niveau de la salle d'opération. Je crois qu'il va falloir que j'en construise une seconde. Ah là 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 là. Mais j'aime pas les trucs qui oui. Que je peux rentrer ça ici. Bon, on va rentrer ça ici. Alors là, on va l'augmenter, sinon il va partir. Faire attendre le patient un moment.
un petit lavabo, un petit viewer à radio. Voilà. On va leur mettre des bancs, un distributeur. Augmentation, augmentation. Banc. Question. Clinique, toujours rien. Diagnostic, le scanner, mais je l'ai construit. Et là, on va voir la bonne blague de « Je n'ai pas assez de chirurgiens ». Ça, c'est juste super. Est-ce qu'on attend qu'il se forme? Lui, on l'augmente. Bon. Hein. On va prendre les devants, même si je déteste faire ça. Là, j'ai pas trop le choix parce que j'en ai pas assez qui ont les bonnes compétences. Là, je peux toujours rien faire de bien. Vous voyez que c'est pas facile avec un seul chercheur. Donc, on va trouver d'autres médecins. Faire attendre un petit moment. Merci. Faire attendre un petit moment. C'est pas facile. Ça prend du temps. Hop, donc ça, j'ai tout. Donc lui, il faut rien. Et j'ai très clairement pas assez de chirurgien du tout. Bon, je vais accélérer le pas. C'est vrai que je n'ai que 3 chirurgiens. D'accord, donc lui il est à moitié coincé, c'est ça? Donc on va accélérer beaucoup le temps que celui-ci passe consultant. Hop, on va faire une petite ellipse temporelle pour eux. Faire attendre un moment. Allez, là je vous parlais des temps qui n'accélèrent pas autant. Non, je refuse de m'occuper de cette urgence parce que je n'ai pas de douche de décontamination. Et l'augmentation des médecins est justement un des trucs qui ne suit pas réellement le cours du temps en accéléré par rapport au temps normal. Faire attendre le patient un moment. C'est lent. L'un de mes médecins est devenu consultant, donc voilà, donc j'ai un consultant de chirurgie de plus. Et donc ça devrait permettre de mieux gérer tout ça. Par contre là j'ai un problème. Ah non, j'ai juste celui-ci qui me fait une crise financière. Voilà. Et donc là normalement. Ah, lui va pas réussir à être formé à la chirurgie. Ah si, c'est bon. Il a été formé à la chirurgie. Et donc normalement, il devrait passer consultant plutôt prochainement. Et donc ça va nous permettre de continuer l'hôpital. Faire attendre un moment. Parce qu'à partir du moment où je vais avoir... Bah là avec mes salles d'opération, il me faudrait 4 ou 5 chirurgiens. 4 et un minimum, il m'en faudrait vraiment 5. Et je pense que je vais en avoir ce qu'il faut. Par contre, là, lui, il me dérange de... Eh bien, justement, de ne rien faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. D'accord, donc lui a bugué, en fait. Vous êtes devant un super bug du jeu. Donc, il faut que je le vire. Et vous voyez qu'il n'arrive même pas à partir.
Bon, c'est pas grave. Il y a comme un truc, très bizarre avec cette salle d'opération qui se passe là. Effectivement, j'ai ma salle d'opération qui a complètement... Zut! Ça, c'est très bête de ma part. Blablabla, vous avez l'équipement et les compétences. Ça, c'est très 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 bête de ma part de l'avoir viré. Non, ça veut dire qu'il va m'en falloir des nouveaux. Non, c'était le personnel ici que je voulais cliquer. Hop, bon. C'est parti. Bon, maintenant qu'on a fait notre petite partie de gestion des médecins, on va regarder. Je peux faire de la sanguinométrie. Alors lui, on va l'augmenter. Il y en a un petit peu. On va l'augmenter. On va poser la machine. Est-ce que j'ai l'ultrascan? Je n'ai pas l'ultrascan. J'ai la salle d'électrolyse. Plus petite? Non, pas plus petite. Augmentation. Effectivement. On va la tirer jusque là. Poser ça ici, poser ça là. Et parfait. Mais bah là, ça va pas très vite. Pourtant, c'est consultant et consultant, donc ça devrait être pas trop mal. J'ai sauvé 4 personnes sur 4, c'est parfait. Où nous en sommes des objectifs? Là on est loin, là on est bon, là on est loin, et là on est ultra loin. Donc, est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Non, non. Eh bien, on va attendre un petit peu. On va accélérer tout ça, parce que de toute manière, j'ai pas grand-chose d'autre à faire pour le moment en attendant que ces recherches montent. Parce que j'ai toutes les salles possibles et imaginables. Tout fonctionne bien ici, à part quelques patients qui bug. Ah non, d'accord. Donc j'ai une patiente qui bug ici. Ah non, elle attend la radio machin truc. C'est en cours d'être recherché. Hein. Alors j'ai cette salle d'opération qui est complètement plantée. C'est vraiment très bizarre. On va essayer de la détruire. Je ne peux pas la détruire, donc j'ai une salle qui est complètement buggée. C'est aussi les joies de ce jeu. Et Theme Hospital original, c'est-à-dire pas Core 6, faisait exactement la même chose. Il avait tendance à planter aussi assez lamentablement des fois. Mais bon, là c'est à peu près géré. Donc là, normalement, j'aurais dit que la file d'attente était 2-0. Et donc comme ça, il ne va y avoir plus personne ici. Alors, faire attendre un moment... Le moumouteur vient d'être inventé, donc ça y est, je vais pouvoir... Alors, vous avez l'équipement, tout ça. Et donc là, je vais pouvoir m'occuper de... Voilà. De ces patients-ci qui sont atteints de calvitie. Voilà. On va mettre quelques bancs. Quelques radiateurs. Hop, on va lancer une petite invitation officielle en passant. On va augmenter un médecin. Voilà. On va répondre à une petite question, faire attendre un petit moment. Voilà.
Donc là, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça avance plutôt bien comme, comme hôpital. Hein. Alors, ici, c'est toujours complètement buggé. Ah si, je vais vous faire quelque chose à la prochaine question. Parce que je sais pas si vous avez fait attention, je parlais de ma machine auto-autopsie. Donc, je vais vous montrer une manière assez marrante de faire augmenter la recherche très très vite. Si il me repose la question, puisque maintenant j'y pense, je suis en train de me dire que... Voilà, envoyez le patient au département de recherche. Donc voilà, on va attendre que le chercheur arrive, et là, vous voyez, le patient arrive. Hop, ouverture de la machine auto-autopsie, on met le patient dans la machine auto-autopsie. Et voilà, je viens d'incinérer mon patient pour faire avancer la recherche. Et normalement, il a fait avancer beaucoup la recherche... dans le soin à ce moment-là, ou dans le diagnostic, je ne sais plus. Je pense que c'est dans le soin. Et donc du coup, hop, c'est, il faut pas trop le faire. Parce que ça pose vraiment... ça pose vraiment des problèmes aux patients quand on fait ça, si jamais ils le voient. Alors pourquoi je peux pas le faire? Ah super, il y a un truc ici. Bon bah on va laisser ça vide hein, et on va s'acheter on va s'acheter ça. On va faire le ce BDBDUP Ultra Scan, on va le faire ici. Voilà. Et voilà, on va mettre quelques bancs. Pas de bureau de réception, un distributeur, pas d'extincteur et de radiateur. Hop, un distributeur, un radiateur, deux radiateurs. On va engager une infirmière de plus. Et voilà. Hein, on avance plutôt pas mal, plutôt pas mal. Parce que là, ça nous permet de... On a tout ce qui est possible et imaginable en diagnostic. Et je pense d'ailleurs... Il me dit que le diagnostic est terminé, donc on va tout bourrer dans le matériel, dans le soin. On va diminuer un petit peu le soin. On va dire 70. Ah, réouvre-moi ça. 70% de soins, 20% de médicaments et 10% d'amélioration. Normalement, ça ne devrait plus durer très longtemps avant d'avoir la fin de ce qu'il me manque dans tous les, bien dans tous les matériaux. Fais attendre le patient un moment. Parce que la clinique, il ne m'en manque pas beaucoup, hein, le gonflage, machin, machin. Il me manque la douche radioactive. Et je pense que c'est à peu près tout ce qui me manque. Hein. Je pense que c'est ça que le... Alors, okay. J'ai tout ce qu'il faut. Allons-y. Si je peux faire quelque chose qui va devenir sûrement assez utile prochainement. Là, j'ai quoi? J'ai pas de fil. Là j'ai des fils, mais c'est uniquement pendant les problèmes. Donc on va garder ça comme ça, ça va être bien. Hop, gardons ça comme ça. Augmentons lui. Augmentation. Je veux 7 personnes sur 9, effectivement. Donc je vais construire une pharmacie de plus ici. Mais d'abord on va augmenter lui. Hop, voilà. Et on va engager une infirmière de plus. Faire attendre le patient un moment, ça ne devrait plus tarder. Hop, petite question, faire attendre le patient un peu. Alors, le matériel de soins, on est presque à la fin. Et quand on va être à la fin de ça, ben, on aura virtuellement terminé le niveau. Hein. Parce qu'il ne va plus y avoir qu'à attendre d'atteindre les objectifs. Alors, hop. Augmentation. J'aurais dû le virer en fait. Ah voilà, ça y est. Mon matériel de soins, on est à 100%. Donc on va faire du 75%, 70%, 65%. Ici, on va faire du 10% de spécialisation. Et tout le reste d'amélioration.
et il n'y a rien à faire en spécialisation, donc on va rien faire en spécialisation et on va monter dans médicaments. Et donc traitement clinique, je peux maintenant faire une salle de décontamination ici. Et voilà. Et ça, c'est très bien, parce qu'on peut mettre des bancs, un radiateur, un distributeur. On va pouvoir lancer une invitation officielle, si j'arrive à poser mon radiateur. Voilà. Et lançons une invitation officielle. 12 personnes sur 12, c'est parfait. Et là, on a tout ce qui est possible et imaginable. Ah bah oui, effectivement, les radiateurs fonctionnent mal, c'est un poil chaud. Et donc maintenant, bien, on a fini virtuellement. On va regarder, mon hôpital n'est malheureusement pas assez cher, je n'ai pas soigné assez de gens, je soigne largement ce qu'il faut ici. Et donc cette salle-ci, il n'y a pas de fil, Eh bien, on va faire un ultra scan en plus ici. Hop. Et puis un ultra scan en plus ici. Et on va re-regarder où on en est de la valeur de mon hôpital. Et on va mettre des bancs devant. Hop. Alors, est-ce qu'on s'est rapproché? 200 000, il vaut 195 000. C'est pas encore tout à fait ça. Il va falloir qu'on s'améliore un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de... Une salle de décontamination, c'est très très cher. Mais non, je veux plus la faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un bout d'hôpital ici. Et là, normalement, même sans rien faire, on doit y être. C'est ça, on y est. 500 personnes, j'en ai soigné 432. Ça veut dire qu'on y est presque. Et l'argent, bien, quand on va être à 400 000, hein, ça va être bon. Hein. Y a pas plus grand-chose à faire que ça. Là, il ne... tout est bon. Ça va à une vitesse affolante. Il va falloir si que je fasse une médecine générale de plus. Parce que sinon on va avoir des problèmes de congestion avec la vitesse accélérée du jeu. On va faire une médecine générale ici histoire de décongestionner derrière. Donc, normalement il y a des gens qui devraient aller là-bas. Ça c'est parfait. Alors lui, il n'a plus besoin de faire de l'enseignement. Et voilà, donc du coup, quand on va arriver à 400 000 ici, ça va être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit accéléré jusqu'à ce qu'on y arrive et on se retrouve juste après ça. Et voilà, maintenant qu'on arrive tout à côté de 400 000, on se retrouve pour attendre ensemble la fin du niveau, puisque normalement là on a presque, bon, largement, et quand même pas mal, et donc là vous allez voir, on va très bientôt passer les 400 000, et voilà. Et donc très bientôt on devrait avoir
la fin. Bien, c'est déjà l'heure de se souhaiter bonsoir ou bonjour, dépendamment quand est-ce que vous regarderez cet épisode, et de se dire à très bientôt pour un nouvel épisode. Bon, bien sûr, il va falloir que ça se décide à me donner la victoire, mais j'ai peut-être anticipé un petit peu pour vous dire bonsoir ou bonne journée, mais normalement ça ne devrait plus trop tarder. Parce que je ne sais plus comment il ne vérifie qu'un certain nombre de fois pendant l'année si les conditions de victoire sont réunies. Il y a quelque chose d'assez étonnant au niveau du code, au niveau des conditions de victoire. Mais normalement on devrait, vu qu'on les réunit toutes, on ne devrait pas trop tarder à avoir quelque chose d'intéressant. Bon, pas ça, parce que ça on n'en a pas franchement besoin. Mais autre chose. Oui, tu peux visiter. Ah, peut-être. Et oui, voilà. Et donc là, on se dit vraiment bonsoir et on verra l'autre épisode, la forme de l'hôpital. Maintenant, puis on ne va pas regarder beaucoup plus loin, on va faire une sauvegarde qu'on va appeler 10. Et là, on verra ça la prochaine fois. Allez, au revoir.